Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans le module complémentaire PowerView ce qu'on appelle un filtre par mosaïque. Nous partons, comme d'habitude, de notre fichier de base, avec dans la première colonne des dates, puis ensuite des véhicules, des chauffeurs, vient ensuite les départements, des clients livrés, un nombre de kilomètres effectués, un chiffre d'affaires, des frais, et enfin un coût de carburant. Pour rappel, dans les leçons précédentes, nous avons vu comment on pouvait créer différentes tables avec différentes présentations. On avait aussi utilisé, pour rappel, ce qu'on appelle les niveaux. Puis ensuite, on avait créé différents types de graphiques, un graphique en secteur, en barre graphe, un graphique dynamique. Une carte Bing, puis un bilan. La problématique du bilan, c'est que si je choisis par exemple, pour rappel, un chauffeur, donc je clique ici dans le graphique en barre graphe sur le barre graphe de Muller, vous voyez qu'automatiquement ça a des répercussions sur tous mes objets. Donc j'enlève le filtre. Et ce que j'ai fait là fonctionne aussi bien sûr avec la carte Bing. Voilà. Et pareil, des répercussions sur tous les filtres. Donc, j'ai fait un onglet mosaïque, où j'ai un peu redimensionné les mêmes objets. Et ce que je veux là, c'est que quand je clique sur un des chauffeurs, Muller, que ça n'a d'impact que sur certains objets et pas sur tous. Ici, j'ai un tableau. Avec, comme on voit dans les champs, véhicules, kilomètres effectués, carburant et frais. Et j'ai nulle part mes chauffeurs. Par contre, j'ai ici un filtre mosaïque qui est vide, que je retrouve sur tous les objets. Donc ici, j'ai choisi le bar graphe. Ici, je vais prendre le secteur. Je vais prendre ce graphique. Et je vais prendre enfin la carte Bing. Et vous voyez que tout partout, j'ai par mosaïque. Ici, je vais rajouter donc mes chauffeurs. Je le prends, je le glisse et je le dépose dans mosaïque par chauffeur. Et vous voyez que maintenant, j'ai ici les chauffeurs qui apparaissent au-dessus de mon tableau. Et si je clique, ce sont les chauffeurs qui adaptent mon tableau. Mais comme vous pouvez le constater, je n'ai aucun impact sur les autres objets. A l'inverse de, si je clique sur Muller, là cette fois-ci, ça a un impact sur tous les objets. Si je veux rajouter mon graphique bar graphe dans la partie mosaïque, donc je le sélectionne. Je vais ici dans l'onglet PowerView. Je vais faire couper. Voilà. Je me mets ici dans la partie du tableau mosaïque. Donc, comme vous pouvez voir. Et je vais faire dans PowerView coller. Et là, vous voyez que j'ai ici le chauffeur Muller. Et d'après ce que je clique, ça s'adapte. Je peux encore, si je le souhaite, par exemple, créer un petit tableau supplémentaire avec des départements et les frais. Bon, il a fait la somme des départements, comme vous pouvez le voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je clique sur la flèche, ne pas synthétiser. Voilà, donc j'ai bien ici les départements, les frais par exemple, et je peux, en cliquant, automatiquement, changer de chauffeur sans que ça ait d'impact. Par contre, ici, si je prends, voilà, automatiquement, ça aura
une répercussion sur tous les objets. J'efface le filtre. Et si je clique ici sur, vous voyez, je suis sur le chauffeur de rien. Si je clique sur Muller, voilà, j'aurai une répercussion sur tous les objets et aussi sur ce graphique. Or qu'ici, si je clique Muller, aucune répercussion. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur le module PowerView et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation pour Excel ou sur le module PowerView d'Excel.